C'est ce qui s'appelle un départ incognito. Tambour ! Allez, Saxon, tambour ! Maintenant, on l'appelle Monsieur le Baron. Hein. Attention, il est en l'air. L'odeur sort du four, elle se répand sur la place du village, elle se glisse dans les ruelles, elle passe sous les portes, elle passe sous les fenêtres, elle finit. Seulement, on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce qu'il y avait trop de rhum, trop de fleurs d'oranger, trop de cannelle? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'odeur ce jour-là. Comme vous le savez tous, les rhinocéros sont extrêmement gourmands. Quand il a senti l'odeur du gâteau, il n'a eu qu'une envie. Je suis Operatella, un petit peu comme Nutella, mais avec opéra devant. Salut! Je vais vous raconter 4 siècles d'opéra en 44 minutes, 44 secondes. Pas plus, pas moins. Dans le jardin, mais prenez le temps d'avancer. Est-ce que je peux rentrer? Et il se camoufle dans la moufle. Donc dans la moufle, il y avait là oui. Le crapaud et le lapin. Tombe dans l'eau, un arbre pousse, c'est beau. Sur cet arbre, des fruits ont poussé, plein de graines à replanter. Une graine de la terre et de l'eau, une graine de la terre et de l'eau, une graine de la terre et de l'eau. Un arbre pousse, c'est beau. Je me doutais que c'était toi, Sélénée, qui rôdais depuis des jours.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue devant notre espace d'anticipation hydrologique Big Water. Vous allez bientôt visiter notre exposition unique au monde, Crescendo et si l'eau devenait rare. Car oui, messieurs, dames, l'eau va bientôt disparaître. Pollution, surconsommation, acidification, désertification. La pluie, force de rajade de tourner des grands ducs.